Ladies and gentlemen, welcome to the Marshmallow Show. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode du tournoi de la connaissance Dragon Ball. Et là on a un match. Déjà c'est deux champions qui ont du niveau, qui ont de la connaissance. Et en plus deux Belges. Donc énorme combat. À ma droite on a un personnage qui doit faire, allez, 1m55 pour 20 kg. On l'appelle le liqueur de Twitter, niveau de Can Battle, Monsieur Kowai. Ça va ou quoi, Kowai? Ça va et toi? Bah écoute, tranquille, on est là, on est en place, hein, le tournoi, tout ci, tout ça. On est chaud. À ma gauche, 1m60, pour à peu près 120 kilos si je dis pas de conneries. Le taliban de Twitter, Monsieur Halibos S9. Ça va ou quoi, S9? Ouais, on est là dans la place, tout ça, on connaît, like et les boules. ODD, on est en place. Du coup, je vais pas réexpliquer les règles, hein. J'avais fait une vidéo pour ça, de toute façon j'ai briefé les invités et puis je remets les règles dans la description. Par contre, la règle d'or, comme j'ai dit à chaque fois, il faut un pseudo ou un cri de guerre pour pouvoir être interrogé à chaque question que je dirai. Étant donné que c'est des Belges, ils ont eux-mêmes choisi le truc. Avec humour, donc S9, est-ce que tu peux me dire ton cri de guerre, s'il te plaît? C'est le 70. Le 70. Et vous, monsieur Kowai? Le 90. Ok, comme ça on est en place. Pour les Français qui n'auront pas compris, hein, ça fait 70 et 90, mais voilà, nous on n'a pas cette logique que eux ils ont, malheureusement. Bref, les 10 questions, vous êtes chauds les deux invités? On est chaud. Ok, eh bien, que le meilleur gagne, pour pouvoir aller en finale. Première question. Qui a été le premier à tuer Sangoku? 70. S9. Raditz. Enfin, Piccolo via Raditz, dans le combat de Raditz. Ça va, je te l'accorde parce que tu t'es repris, mais oui, effectivement, la bonne réponse, c'est Piccolo. Et... par contre, prochaine fois, je t'accorde pas un truc comme ça. Ouais, hein. Non, normalement, il n'y a pas accordé. Ouais, mais le truc, c'est que je me suis dit, tu vois, ça paraissait plus logique de dire Raditz. Parce que si je disais Piccolo, certains auraient pu dire non. Ouais. Parce qu'ils auraient pensé que c'était dans l'arc du tournoi, tu vois. Dernier épisode de DDB. Je te l'accorde parce que c'est le tout premier épisode, tout ça, mais on fait Bellec maintenant. Hein. Deuxième question. De quelle galaxie... 70. C'est le mec qui me brille la question. Bah, vas-y, t'as fait le malin, donne ta réponse. Non, c'est pour le troll, vas-y, t'as le Ok. De quelle galaxie est originaire Paikwan? C'est 90, la galaxie du sud. Pas du tout. Oh. 70. Oui. Galaxie de l'ouest. Quand même, merci. Et tu sais que j'ai hésité avec celle de l'Est. Ouais, mais celle de l'Est, si j'ai pas le Kirby, c'est pas la meuf. Mais je sais pas, on s'en fout. Moi, je pose les questions, je suis pas là pour y répondre. Mais ceci étant, en tant que joueur d'Okan Battle, vous vous rappelez pas de l'event Paikwan, le combattant le plus rapide de l'Ouest? Oh, mais j'ai farmé Paikwan il y a des lustres, moi. Ça fait une éternité que j'ai farmé Paikwan, donc bon. Quand même ouais. J'ai pas pensé au précurseur. Bref, ceci pour le moment, ça nous fait 2-0 pour S9. Va falloir se réveiller, Kowai. Hein. Ouais. Alors, question numéro 3. Comment s'appelle le grand-père maternel de Goten? 90. Oui. C'est Gyumao. Bien joué. Elle est conne cette question, mais elle est vicieuse, tu vois, parce qu'il faut dire attends, maternelle, c'est qui? J'ai bugué 3 secondes. Non, en fait, même moi, j'ai bugué, et quand il a dit 90, j'ai dit, c'est quoi, c'est pas grave, il l'a trouvé. j'ai bugué, mais je me suis dit, bon, allons-y. Quatrième question. Comment Freezer appelle le roi Cold? 70. Ouais. Père.
Ouais, je te l'accorde. La vraie réponse, genre c'est papa, mais père, ça marche, tu vois. Genre, ah ouais, d'accord. Non, mais c'est juste une question conne, quoi. C'est juste comment il l'appelle, tu vois. Genre, y a ah pas ouais, de... non, mais pour le coup, je me suis dit, bon, que... ça peut pas être ça. En fait, le problème, c'est que tu vois, les dernières fois que j'ai regardé Dragon Ball, c'était en japonais, tu vois. Ouais. Donc en soi, il l'appelle, tu vois, père en japonais. Mais oui. En japonais, tu sais, il n'y a pas cette interprétation de papa, père, tu sais. Moi, je me suis dit, tu vois, père, ça fait plus, tu vois, genre, un peu comme Trunks et Vegeta, Freezer ou Akol, tu vois. Non, mais je suis d'accord, tu sais, genre, c'était juste une question troll, tu vois, où les gens, ils allaient chercher peut-être, sa majesté ou son éminence. Bah non, c'est juste papa ou père, hein, tu vois. Genre, non, venant le Freezer, c'était impossible. Oui, ouais, je trouve ça aussi louche, quoi. La base. Cinquième question. À quel TB Goku affronte Tenshinhan en finale? 70. Ouais. Franchement, c'est avec un gros doute, mais je dirais le 22e Tenkaichi Budokan. Eh ben, c'est la bonne réponse. Bien joué. Ouais. Tu sais que j'ai douté avec le 21e. Ouais, moi, je suis en train de douter entre les deux, mais je savais pas lequel des deux. Bon, pour le moment, on a 4 points pour S9, 1 point pour Kawhi. Donc, la victoire se dessine, mais c'est pas encore terminé. Hein. De toute façon, on ira au bout des 10 questions. Kawhi, si jamais tu veux faire la remontada, c'est maintenant. Hein. Ouais. Alors, à quel titre Topo est-il aspirant? 90. Oui. Dieu de la destruction. Bien joué. Voilà, simple, efficace et pas cher. Dieu de la destruction. C'est exactement ça. Je sais pas pourquoi j'ai bégayé alors que j'étais... Je sais pas, dans ma tête, j'ai bégayé 2 secondes. Non, ça va, là, j'ai été un peu plus. Alors là, on va être sur une question que j'appelle juste prix. C'est-à-dire que c'est une réponse avec des chiffres. Si jamais vous connaissez pas la réponse exacte, je dirai plus ou moins et ça sera chacun votre tour pour répondre à la question. C'est à moins qu'il y ait un de vous deux qui ait directement la réponse, hein, ce que je lui souhaite. Hein. Alors... Combien d'années s'écoulent entre la première et la seconde rencontre de Goku et Chichi? Ouais, bah oui. Ah oui, non, mais... 70, j'ai envie de tenter un truc. J'ai envie de tenter un truc pour le beau jeu. Vas-y. Je dirais... 5 ans. C'est la mauvaise réponse. Ok. Kawhi? Ah oui, du coup j'avais dit plus ou moins. Ouais. Plus. 10 ans. Moins. 7 ans. Combien? 7. C'est la bonne réponse. Bien joué. Ouais, en fait, j'ai été aidé. Si c'est plus que 5. Ouais, et moins que 10, oui. Je te dis, je vais aller au juste milieu. Bah ouais, mais c'est les questions juste prix, ça, tu vois. Mais. Donc la réponse était bien 7 ans. Pour le moment, S9 a 5 points. Donc il lui faut juste un point pour gagner, mais Kawhi peut le remonter, il y aura égalité. Ça, sait-on jamais. C'est ça. Alors, de quoi les Namek se nourrissent? Yumao. Non. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai sorti Yumao dans ma tête. Ouais, t'inquiète, le mec a bugué, il a répondu à la deuxième question. J'ai 3 questions en arrière, là, oulala. D'où c'est tout. Et c'est la bonne réponse. Franchement, je l'aurais pas trouvé. Sérieux? Ouais, je l'aurais pas trouvé. Ok, bah écoute, tant mieux, ça rajoute du suspense. Voilà. Du coup, 8e question. Qui Cell absorbe en premier? 90. Ouais. Ah, je sais pas, il va partir 70. Il absorbe C17 en premier. Putain, c'est une bonne réponse. Oh, la remontada! 5 points pour S9, 4 points pour Kawhi. En fait, j'allais bugger, j'allais dire C17 et pas 70. Ah ouais. Bah ouais, puis... Et tu verras sur le retour, je me suis retenu, tu vois. Tu vois vraiment que je me retiens. Questions, ça y est, on sort des Guillaume et C17, t'es parti. Ça y est, les mecs commencent à bugger alors qu'on a fait 8 questions. Là, du coup, peut-être dernière question, ça dépendra de Kawhi et d'S9. Qui est le premier adversaire qu'affronte Goku en arrivant sur Namek? 70. Ouais. Il affronte... Riku. Et c'est la bonne réponse, CS9 qui se qualifie. Bien joué. Bravo. Franchement, c'était un beau combat, un beau match.
Kawhi, on a cru qu'il allait se faire écraser plusieurs fois. Finalement, il y a eu des remontadas. Bah, ouais, non, bien joué. Bien joué, je suis content de vous, les gars. Vous m'avez fait plaisir, là, pour le tout premier combat. Ouah, putain, bah... On a essayé de respecter les règles au plus possible. Ouais. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir bien accepté de participer. Et puis, d'autre part, également, d'avoir bien respecté ces règles-là, parce que je sens que c'est une règle qui va être chiante à faire respecter. Et vous avez vraiment bien joué le jeu, quoi. C'est pour ça que j'ai perdu sur la question de C17. Parce que j'allais dire C17, et je dis non, faut que je dise 70. Et au moment où je vais pour dire 70, ben quoi, il dit non, donc tu vois. Ouais. Donc au final, on termine avec 6 points à 4 pour S9. Donc ça va, hein, c'était quand même relativement serré. C'était un bon match, premier match, il fallait que ce soit, tu vois. Fallait pas que ce soit une défaite écrasante de l'un ou l'autre. Fallait que ce soit, tu vois. Ouais, c'est serré. C'était beau, ça fait plaisir. Donc S9. Tu te qualifies pour les quarts de finale. Kawhi, malheureusement pour toi, l'aventure s'arrête là. Si j'avais un flambeau, j'éteindrais ta flamme, mais malheureusement, j'ai pas autant de trucs à disposition. Alors juste, on va conclure avec un petit mot des invités. On va commencer par le perdant. Un petit mot pour la fin, Kawhi. Ah, bravo S9, bien joué, et puis merci de m'avoir invité, c'était chouette. Bah t'inquiète pas, c'était avec plaisir. S9, petit mot de la fin. Très bon challenger en face de moi, Kawhi. Ce fut très sympathique. Très très bonne idée de faire ce petit tournoi là. C'est assez amusant, surtout la petite partie juste prise. Ouais. Je pense même tu devrais la garder et ne pas donner la réponse immédiatement, tu vois. C'est-à-dire ? Genre vraiment, si le mec connaît la réponse, il la donne, tu vois. Ah oui, bah mais oui. Genre vraiment le faire en mode juste prise. Ok, je note pour les prochains épisodes. C'est marrant de le faire, tu vois. Vraiment en mode trouver le plus proche. Ça marche. C'est noté dans un coin de ma tête. En tout cas, comme vous avez vu, énorme fair play entre les deux adversaires. Voilà, respect à la Belgique, peuple que j'apprécie beaucoup. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. La suite arrivera dans 3 jours. Et puis n'hésitez pas à éclater les likes, voilà, pour ce combat d'anthologie. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao.